So please, you may be bear with me for a few minutes. Si vous avez vu sur le pamphlet qu'il y a un mot pasteur, je vous demande votre indulgence et votre patience. I would have wished to read a few verses from Haggai. J'aurais souhaité lire quelques versets du livre d'Agé. The second chapter. Dans le deuxième chapitre. But we will have time to go read that at home. Mais on le verra ça. And then it is the inauguration of the new temple after the children of Israel had come back from captivity. Là, on parle de l'inauguration du deuxième temple après que les enfants d'Israël soient revenus de captivité dans l'Égypte. And the famous verse is chapter 7, which is saying that now. Et le verset le plus intéressant, chapitre 7. Is saying, you know, the glory of this new temple will be greater than the first one. Il nous dit que la gloire de ce nouveau temple sera même beaucoup mieux que celle du premier temple. Obviously, it was not the kind of temple that was much more precious than the first one, because when you read the way Solomon built the first temple, this cannot match it at all. Le deuxième temple n'était pas nécessairement mieux construit que le premier, parce que si vous lisez comment Salomon avait construit le premier temple, le deuxième ne pouvait pas tenir debout. When you read and see that the first one there was gold, all around there was this and that, I mean, it was. Vous verrez que dans la construction du premier temple, il y avait de l'or partout. But the Spirit of God is saying. Mais l'Esprit de Dieu dit ceci. The glory of this second temple. La gloire dans ce deuxième temple. That you built on the ashes of the first one. Ce temple qui est construit sur la poussière du premier. Its glory will be greater than the glory of the first one. Sa gloire sera beaucoup plus grande que celle du premier. That has been my message for all of us as we are coming back here to our. Et cela est mon message pour chacun de nous ici quand nous revenons à cet endroit. It is not the building. Or whatever, but it is the people who are going to worship there, and they are going to announce the coming of the Savior Jesus Christ that made that temple much, much glorious. Ce n'est pas seulement les murs du building, mais c'est l'ensemble de tout le peuple qui ira se rassembler dans ce nouveau building, et ce peuple va annoncer la venue de notre Seigneur Jésus Christ. C'est ça qui est plus grand et plus glorieux. So brothers and sisters, we can make this coming back much more glorious. Nous pouvons faire de ce retour ici beaucoup plus glorieux. And I think Pastor Fabrice just touched a very, very sensitive point. Et je pense aussi que le pasteur Fabrice a touché un point très intéressant. Sacrifice. C'est le sacrifice. And being simple. Et être simple. Sacrifice. Nobody wants to sacrifice. We all want to gain, but personne, we don't want to give away. Personne ne veut sacrifier. Personne ne veut laisser aller. Il veut seulement recevoir. Especially some of those things we cherish so much, we don't want to give them away. Spécialement certaines choses que nous aimons beaucoup, nous ne voulons pas laisser aller. But if you want the glory of our coming back here to be greater than the first one. Mais si tu veux que la gloire pour nous de retourner ici, que cette gloire soit plus grande que la première gloire. Then there is a work we need to do. Alors il y a du travail que nous devons faire. Among ourselves. Entre nous d'abord. We need to reflect that we are truly ambassadors. Nous devons vraiment alors sortir de nous cette image d'un vrai ambassadeur. The beings who will accept that sacrifice and say, well, let him or her win, but let me lose, and yet we are going together with the Lord. C'est seulement jusqu'à ce que nous commençons à comprendre que les autres puissent gagner, laisse que moi je puisse perdre. À ce moment-là que nous pourrions marcher ensemble avec le Seigneur. So that is the word I want to say to all of us as we are coming back to Albany. Ça c'était juste un petit mot que je voulais partager avec chacun de nous ici quand nous sommes en train de revenir à Albany. Let us feel at home. Que nous soyons à la maison. Alléluia. Que nous puissions nous sentir à la maison. Let us feel at home. Que nous puissions nous sentir à la maison. Let us invite other people to come and join us. Que nous puissions aussi inviter les autres à venir nous joindre. The second point for one reason that I'm here, I just need prayers. Le deuxième point que je voulais partager, c'est seulement aussi vous demander des prières. I need your prayers because I will be traveling and going to Africa. J'ai besoin de vos prières parce que je vais aller en Afrique. And I have
to Africa, but this seems to be special. J'ai eu beaucoup de voyages vers l'Afrique, mais cette fois-ci c'est un peu plus spécial. When I came to America, quand je suis arrivé aux États-Unis, I came to a school called Fuller Theological Seminary in Pasadena. J'étais à l'université qui s'appelle Fuller Université Théologie à Pasadena. And the first semester. Et moi, pendant que j'étais dans ce premier trimestre, we had a course that was talking about, how cultures, how societies change. Là, dans ce premier trimestre, nous avions eu une classe ou un cours où on nous enseignait comment la société est en train de se transformer. One way when you see change happening in a culture or in a society. Et l'un des moyens où tu peux remarquer qu'il y a un changement dans une culture ou dans une société quelconque. It's when a new culture comes and bombards this culture with new elements. C'est quand tu verras une autre culture venir et surabonder la culture résidente avec des éléments nouveaux. To be practical. Alors je vais être un peu pratique. That means, for instance, when colonialism came, the people from Europe. Par exemple, quand la colonisation est venue de l'Europe. They came with their own mindset. Ils sont venus avec leur mentalité. They came and bombarded their mindset to us in Africa. Ils sont venus et nous ont imprégné leur mentalité en Afrique. And then we start looking down upon ourselves. Et là, nous avons commencé à nous minimiser. And they worked hard to make us feel as we are subhumans. Ils ont fait un grand travail pour nous de se sentir comme sous-humains. They brought different things. Okay, you savages, you may need to have a carte spécifique for Congolese people. Ils nous ont fait croire que nous étions des sauvages et que nous avions besoin de mériter encore des mérites civiques pour être appelés humains. And that was the work of the devil. Et là, c'était uniquement le travail du diable. So, how do we get out of there? Alors, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir? And when we look down upon ourselves, we kill the creativity that God has put in us. Et quand nous nous regardons nous-mêmes, nous ne pouvons pas ignorer cette réactivité ou cette réaction-là que Dieu est en train de mettre en nous. Africa is full of people who are very, very intelligent and very creative people, but that creativity is being hindered. L'Afrique est remplie de gens qui peuvent bien créer des choses, des gens qui sont très intelligents, mais seulement cette intelligence est étouffée par les autres. That's why even our church in Africa, we always turn our eyes toward America, toward Europe, whenever we want to do. C'est pourquoi l'Église en Afrique a toujours ses yeux aussi tournés vers l'Europe, vers l'Amérique, ou n'importe où l'aide pourra venir. This is why our brothers and sisters are dying in the Mediterranean when they're trying to cross over to go to Europe. C'est pourquoi nos frères et sœurs sont en train de mourir à la mer Méditerranée ou dans la mer Méditerranée en train d'essayer de traverser pour l'Europe. Who knows how many thousands of Africans have died in that sea? The last 5 years. Someone has the numbers here? Qui sait ou qui peut compter combien sont morts, combien d'Africains ont perdu leur vie en essayant de traverser cette mer someone, dans les 5 dernières années? Someone can tell me? Quelqu'un peut imaginer le chiffre? The number for everybody is beyond 5,000 people. Mais le chiffre pour tout le monde qui est mort en essayant de traverser la mer Méditerranée, c'est au-delà de 5,000. But Africans only, it is at least 3,000. Africans have died. Mais pour les Africains seulement, c'est déjà plus de 3,000 qui sont morts pendant les 5 dernières années. How can we address that problem? Et comment nous pouvons bien gérer ce problème? It needs to be addressed. Il a bien besoin d'être géré. And I thought the Lord was talking, speaking to us. Et je pense que le Seigneur était en train de nous parler. I'm not pretending to say I'm going to bring all the solutions to Africa. Je ne suis pas en train de prétendre que nous allons amener toutes les bonnes solutions à l'Afrique. But my prayer is that we're going to start having a conversation regarding those realities, how we can get out of where we are. Mais ma prière est que nous puissions aller et amener vraiment une bonne conversation où nous allons commencer à regarder les réalités en face. And the Lord is leading me to, first of all, to Cameroon. Et alors le Seigneur est en train de m'amener d'abord au Cameroun. Where there's a university institution that moved its master's and PhD program from Bangui, they moved it to Yaoundé. Là où il y a une université ou une institution universitaire qui a déplacé son programme de master de Bangui en Centrafrique vers le Cameroun. So I'm going to teach a course for 3 weeks there. Et là, je serai professeur là-bas pour enseigner.
enseigner une classe ou un cours pour 3 semaines. Then I will go to Bangui and teach another one for 2 weeks. Et puis je vais aussi passer par Bangui en Centrafrique où je vais enseigner encore pour 2 semaines. And then I will go home to Congo and also teach. Et après Bangui, j'arriverai aussi au Congo où je vais aussi enseigner. So I need your prayers. Alors j'ai vraiment besoin de vos prières. Because when I start talking about this issue, how we can get Africa from where it is. Parce que quand je commence à parler de ce problème, comment sortir l'Afrique de là où elle est. I faced a tough attack from the enemy. J'ai rencontré une sérieuse attaque de l'ennemi. The enemy wants to keep us in bondage. L'ennemi veut nous garder en captivité. And when the message of freedom tries to come, he doesn't like that. Et quand un message de vérité et de liberté arrive, l'ennemi n'aime pas ça. So pray for me. Alors priez pour moi. I know how dangerous it is spiritually and even. Je sais combien cela est dangereux spirituellement et même physiquement pour moi. So please spend a few seconds to pray for me. Alors je demande vraiment que nous puissions passer quelques semaines pour vous. Vous allez prier pour moi. I will ask you, Pastor Baloukou, to take a lead and just have a say over prayer and just a few words, and then I will close also with some word of prayer. Je vais demander au Pasteur Baloukou de nous amener dans quelques minutes de prière. Et je vais finir avec quelques petits commentaires. Meanwhile, as soon as we finish here, please, the elders and celibate and deacons and deaconesses, let us enter in the pastor's office there for just 5-10 minutes. Dès que nous finissons le culte, je demande aux célibés, aux anciens et aux diacres que nous puissions entrer par cette porte-là et aller au bureau du pasteur où nous allons passer quelques minutes de réunion. Please. Père le Seigneur, let's all pray. Père, merci beaucoup pour ce moment, pour cette journée, pour ce temps de prière, pour ce culte de cet après-midi. Merci pour tout ce que tu veux nous dire jusqu'ici. Merci pour tout ce qui vient de se passer. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ce moment spécial de prière pour tes serviteurs. Tu l'as sauvé, tu l'as envoyé pour tes serviteurs. Tu l'as établi, ton ministre, ou ton ambassadeur. Merci pour ton œuvre dans son cœur, dans sa vie, même dans sa connaissance. Tu l'as mené à Pasadena pour capter cette grande vision, pour voir comment l'Église peut faire cette mission en ce moment aujourd'hui. Merci. J'avais beaucoup partagé avec moi le sujet de cette vision que tu lui as donnée pour ton âme. Voilà spécialement les cultures, les gens. Et comment l'évangile peut transformer les cultures afin que les personnes, c'est-à-dire pour s'être sauvées, transformées par l'évangile et de connaître ton Seigneur, le seul sauveur. Mais si, maintenant, je vais l'amener à l'Afrique, peut-être que demain il va l'amener à Bangui pour partager avec les serviteurs là-bas cette grande vision et voir comment l'Évangile peut transformer les âmes et transformer même les sociétés africaines, les amener vers tout cela. Merci beaucoup. C'est un grand privilège que tu nous donnes, c'est un grand privilège que tu nous donnes comme Église. Pour pouvoir amener l'évangile, la transformation à sa belle vie. Père, toi avec nous, il a besoin de toi. Il nous demande de Dieu pour lui, justement parce qu'il a besoin de toi. Il sait que sans toi, il ne saura rien faire. Seigneur, aide ses serviteurs, soutiens-les. Dévasse, s'il te prépare des âmes là-bas. Prépare les gens qui. Avec qui il va travailler. Prépare les étudiants de l'université auxquels il va s'adresser. Fait qu'il vraiment puisse transformer ces hommes, ces femmes et les mettre dans ta maçon pour transformer les gens. Comme le monde à toi. Seigneur, tu seras avec lui là-bas. Tu sais que là-bas, et la maladie, les différentes maladies, et même les combats, qui
qui s'est exposé toutes ces choses-là, mais qui vit ici, où on ne connaît, nous ne connaissons pas cette sorte de violence, cette sorte d'attaque, l'attaque, Seigneur, tu vas les protéger. Les biens de face, les manipulés, c'est une situation possible de les décourager. Seigneur, tu vas les soutenir et tu vas les faire passer par toutes ces situations et de façon miraculeuse. C'est un élément qui a encore besoin d'argent, qui a encore besoin de beaucoup d'autres choses. Seigneur, pourvoi pour tous ces acteurs. Mais c'est pour ce que tu as déjà donné jusqu'à présent. Cela est suffisant pour montrer que tu le veux aujourd'hui pour ton œuvre là-bas. Alors, l'autre besoin, le mettre entre tes mains. Toi, tu veux pouvoir, cet élément, tu ne veux pas laisser ce travail à mi-chemin. Et tu pourras acquérir le besoin qu'il aura. Le mettre entre tes mains. Tu seras avec maman, les enfants, et nous tous que nous restons ici. Cet élément va toujours passer à nous. C'est de demander ce qui se passe là-bas, comment je peux aider, et en mon absence, mais c'est parce que vous avez quelque chose ici. Et tu vas nous soutenir, tu vas nous fortifier, tu vas nous pouvoir tous nos besoins. Nous mettons dans quatre termes. Père, écoutez-nous Seigneur. Fais de nous vraiment des ambassadeurs. Fais de nous serviteurs. Fais de cette église. L'église qui ne peut pas y aller voir Michel, non pas seulement ici, mais dans le monde entier. Ben, nous confions à toi. Nous aussi devant toi. Nous confions à toi. Nous voulons bien faire cela. Mais nous n'avons pas la force. Et cet travail ne peut être fait que par ta force, ta puissance. Investis-nous donc de ta puissance à cette œuvre. Nous mettons dans la tête. Au serviteur, encore une fois, Seigneur, soutiens-les, fortifie-les. Et c'est parce que tu nous écoutes. Et c'est parce que tu fais de grandes choses dans ce voyage de distributeur. Comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Aussi, permettez-moi de prier pour vous qui êtes en train de rendre ce voyage possible. Please allow me, if you need to also pray for all of you who have made this trip possible. J'ai une partie de la liste des gens. I have a part of the list of people. Pour les autres, même si votre nom n'est pas ici, soyez assurés qu'à jouer votre nom, je vais continuer à prier pour vous et pour toute notre église. For those who will not have their names on this list, I want you to rest assured that as soon as I get that name, I will continue to pray for each and every one. Je voudrais vous dire que vous avez fait un très grand ministère sur moi. I want you to know that you have done a great ministry on me. Prions le Seigneur. I want you to pray. Seigneur, tu vois tous ces noms, tes enfants qui se sont donnés pour dire que oui, nous voudrions participer à cette activité. Même si c'est une activité qui n'est pas bien comprise aujourd'hui par beaucoup, mais les enfants ont dit non, nous voudrions, Seigneur, voir un changement dans notre continent. Alors ils ont donné, Seigneur. Seigneur, toi qui bénis, toi qui fais des promesses pour dire que quand nous sèmons, toi tu vas faire germer, tu vas multiplier, accomplir tes paroles. Tous ces noms qui sont ici, Seigneur, tu connais les besoins de chacun et chacune qui a pris cette décision. Je suis sûr, ce n'est pas de l'abondance, mais c'est des sacrifices qu'ils ont fait. Alors Seigneur, réponds à ces sacrifices, dans toute ta gloire, Seigneur. Et pour même ce que nous t'avons offert aujourd'hui, Seigneur, accepte cette offrande. Pour nous-mêmes, accepte-nous comme un sacrifice, comme une offrande vivante, Seigneur. Accepte-nous, nous te prions. Yes. Le Seigneur merveilleux, lui qui connaît nos besoins, il va nous rencontrer là où nous sommes. But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourself in the love of God.
Keep yourself in the love of God, waiting anxiously for the mercy, for His mercy, for His mercy of eternal life. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless, with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, to Him alone be glory, majesty, dominion and authority, before all time and now and forevermore, in the precious name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Amém. Senhor, você não pode fazer o semente, celebrar daquele semente. Amém. Simba, o pessoal não pode usar nada. Dans le feu. Alors, c'est le fond. Alors, soyez bénis. Dans le feu, non, s'il vous plaît, elders and deacons, deaconesses, puis CDP, très vite là, pour 10 minutes que nous allons poser un petit peu là. Je sais que ma découverte va. Dá uma pesquisa em contribuição. Toujours coletivo, toujours contribuição pour la voyage. Parce que le dimanche prochain, le groupe Bima toujours, et au titre de la SIVA Rosana, pour contribuer toujours. Pour la parole.